Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, que le nom du Seigneur soit glorifié en ce jour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore exalté. Amen. Celui qui nous rassemble, celui qui nous convoque en ce jour béni, en ce jour où nous avons tout quitté, nous avons tout laissé pour venir nous rendre grâce.
grâce pour lui dire merci. Oui, frères et sœurs, disposons maintenant nos cœurs, disposons tout notre corps et demandons-lui de prendre maintenant place là où nous sommes. Qu'il vienne par la puissance de son esprit, qu'il vienne nous vivifier, nous sanctifier, que toute distraction s'éloigne de nous maintenant. Par l'intercession aussi de la très sainte Vierge Marie, de Saint Michel, Archange, de tous les saints et saintes de Dieu, que nous soyons ouverts à l'écoute et à la parole de Dieu. Esprit de Dieu.
celui que nous disons à notre conjoint ou à notre conjointe, celui que nous disons à Dieu, est difficile dans la durée. Avec Dieu, aujourd'hui c'est bon, demain il est plus bon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir, je te rends grâce parce que tu as fait des choses merveilleuses dans ma vie. Et lorsque ce sont des difficultés, que nous ne faisons pas, nous nous donnons à des indignants, nous nous donnons à la franc-maçonnerie, à la rose roi, nous nous donnons à la secte des autorités, à l'élite des initiatives, le terme, le vautour, etc. Bien de choses que vous savez, le oui ne dure jamais. Lorsque c'est humain. Mais si nous mettons le Christ au milieu, si nous mettons le Christ dedans, notre lui perdure et il devient éternel. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la soif de l'aimer davantage. De l'aimer davantage. De l'aimer. Et si nous l'aimons véritablement, il y a l'amour à côté de nous. C'est mon frère, c'est ma sœur. C'est mon frère, c'est ma soeur. L'évangile est clair, frères et sœurs. La soif de pouvoir faire dévier notre désir en un amour possessif. N'allons pas loin. Les hommes de ce monde, c'est cela. Ils prétendent aimer le pays, ils prétendent aimer les hommes, ils prétendent aimer leurs frères et sœurs. Mais on s'fournit toujours la veuve et l'orphelin. On grappille toujours sur le salaire du pauvre. Oui, les hommes de ce monde, les puissants de ce monde, frères et sœurs, ils ne soient pas pour vous ainsi. Oui, la puissance de notre convoitise parvient à faire de l'autre l'objet. On est tellement dans la convoitise que notre frère, notre sœur devient pour nous, elle est aussi. Une orange en presse et une fois pressée, allez, un copier. Oui, frères et sœurs, on exploite. Et lorsque la personne est fatiguée, il n'y a plus de jus. Allez, il ne vaut rien, il n'est bon à rien. Oui, mes frères, mes sœurs, ne doit pas être ainsi pour vous, chrétiens. Et malheureusement encore, c'est nous, les chrétiens, qui posons des actes ainsi, des actes ignobles. C'est nous, chrétiens, assis là, à regarder, à dire, Seigneur, merci, mais au fond de vous, il n'y a que misère. Au fond de vous, il n'y a que méchanceté. Au fond de vous, il n'y a que méchanceté. Alors, demandons au Seigneur, au cours de cette éclaircie, de nous purifier, de nous pardonner, oui, de nous pardonner, de nous changer de vie.
joyeux.